Ok, let's go. Là, c'est du très très sérieux. Là, la première game, c'est toujours très important, les amis. C'est la game décisive, quoi, même, je dirais là. Genre, tu perds la première game, ta journée, elle est finie, quoi, tu vois, genre. Donc, attention à la première game, hein, je vous le dis. Hein. Bon, je vais pas jouer du Varus et ces conneries-là, moi, perso, hein, je suis pas très. J'ai deux sièges, je vais les garder pour l'instant. Je vais faire un truc comme ça pour l'instant. Oh, attaque soutenue, c'est fort. Hein. Je pense que Xayah, c'est vraiment bien. En plus, j'ai Varus qui peut porter le stuff de Xayah. Surtout, en plus, j'ai Sejuani. Je sais pas si je peux jouer Xayah Guild. En vrai, je me voyais pas commencer la journée comme le rush comme ça, mais. Un petit Xayah Guild pour commencer là. Je peux garder ça. Limite, si je vais à 2, c'est très bien. Là, j'aime bien la manière dont ça commence là pour le coup. Ah, c'est vraiment fort, attaque soutenue. Hein. C'est toujours 4%. Ok. Bon, j'ai quand même acheté le Skarner, ça coûte rien. Ah, ça sent le top 1 pour commencer la journée, ça. Là, je suis revenu à 4 ou 5 jours, donc c'est normal que ce soit passé depuis longtemps. Vu que j'étais pas là. Et toi, comment s'est passé la fin de l'été, Sebchou? Putain, on va réussir à casser dans le vent, je suis deg. Après, en vrai, c'est pas grave si on perd parce que je suis que level 3. J'ai pas level up parce que j'ai rien de bien à rentrer en vrai. J'ai pas de cavalier à dispo. Je compte pas spécialement rentrer cosmique. Après, y'a un monde où Varus il gagne le fight là, non? Genre, il se cast, il stun. Ouais, j'ai gagné, hein. Faut pas que Talia le cast à l'overtime, mais ça va en vrai. Ok. Pour l'instant, en étant level 3, on grind tranquille pour l'instant. Mais du coup, j'ai Rell. Ouais, c'est légendaire, hein. On est bien en vrai, hein. Je pense que je le vois aussi. En fait, à partir du moment où maintenant j'ai Rell en plus, ça me donne vraiment beaucoup de front lane, quoi. C'est vraiment trop bien. Il y a des compètes sur Teamfight Tactique. Ah bah, il y en a énormément. Ouais. Énormément. Il va rien tuer. Nice. J'ai de la chance, on est 3 à 100 HP et c'est moi qui suis 3ème pick. Bon, j'aurais bien aimé l'arc, évidemment. En fait, si je veux jouer Xayah, parce que je veux jouer Xayah, genre je suis commit. Genre, il me faut absolument Guinzo. J'ai hésité à prendre la baguette. Non mais en vrai c'était toujours ceinture en vrai. Comme ça je complète encore un item pour Snowball dans l'early game. J'ai Ezreal 2 qui vient de tomber. Juste il monte un bon perso qui va être boosté par attaque soutenue. Mais ce qui est déjà très bien en vrai. Ah, tous les sets devraient commencer comme ça les gars. Franchement c'est magnifique. Je connais pas un set qui devrait pas commencer comme ça, franchement. Là, c'est sublime là. Ok, j'ai Rell. Alors, j'ai Qiyana aussi, accessoirement. Genre, est-ce que vraiment on garde Varus en fait? C'est la question. Je pense pas, hein. En vrai, ça sert à rien d'avoir Varus. Autant avoir ça comme ça et on rentre Qiyana pour avoir Tempeste. Ouais, il a Kai'Sa 2 lui. Alors, Kai'Sa c'est pas ultra fort par contre. Alors, ouais, il a quand même 4 dragons anciens. Attends, ouais, putain, la vache, il a déjà autant de dragons anciens que ça quoi. Après, Kai'Sa c'est pas ultra fort et il a mis Dragon Ancien sur Lee Sin, étonnamment, alors que Kai'Sa est level 2, mais bon. Du coup, on va gagner. C'est la game sur HP, hein. Première game du set, hein. Première game du set, les amis. Et c'est déjà, mais bien entendu, c'est déjà la game sur HP, quoi. Il me faudrait Zippy, comme ça je passe directement en 5 guilds. Moi, au level 6, là, si je peux, j'enlève Qiyana et je rentre Zippy. Parce que là, comme j'ai Sage 2, je pense que je vais jouer Xayah Guild. Négatron, why not? Baguette, c'est bien, parce qu'après il me faut Arc surtout. Hein. Graves et Jace. Jace, c'est trop bien. Genre, si je veux jouer Guild. En plus, je peux faire étincelle ionique sur Jace, ce qui est vraiment un excellent item. J'aurais tellement aimé savoir jouer à ce jeu, mais les items me tilt. En vrai, c'est pas compliqué, hein. Il faut juste passer 15 games quoi. J'adore ce Jace en vrai. Là. Vous comprenez, je continue à slam les items direct. Vraiment dans cet objectif de garder la win streak, c'est très important. J'aime lancer une ranked alors que j'ai rien vu du patch à part 3 minutes de ta vidéo du patch. T'as raison. T'es avec à l'ancienne, tu vois. T'es avec qui prend des risques, quoi, mec. Ça, on adore ça. Donc, Jace avec Guild, il vous donne de la D et de la P. Bonus doublé, évidemment, si votre champion est Guild, bien sûr. C'est un très bon perso, Jace, qui se joue principalement en carry avec une spade draconique. Même si ça a été nerfé sur le dernier patch. Genre les coréens, j'ai l'impression qu'ils continuent quand même pas mal de jouer ce matin. Parce que c'est up depuis quelques heures déjà sur le serveur coréen quoi. On a une augmente guild. Sac de butin, chasseur né, second souffle. Qu'est-ce que je prends? En vrai, c'est pas mal sac de butin parce que j'ai du stuff tank
AP ou AD, tout me va là, vu que j'ai un peu tout. GS, GS, c'est incroyable pour Xayah, quoi. Genre, c'est fou, quoi. Panthéon, on s'en tape. Idas aussi, je pense, vu que je jouais une version plutôt guild. Légendaire cette game. Ouais, la game est assez folle, là. Hein. En théorie, on peut continuer à gagner. Alors, je pense que ma MMR est pas ouf, hein. Après, elle est soft reset, donc ça la remet bien en vrai. Mais comme j'étais en vacances au Mexique les 3 dernières semaines du set. Et même tu vois le set d'avant, j'ai vraiment pas été bon sur le set d'avant et tout, je peux passer de Chal. Là c'est le set de la rédemption les amis. Sur ce set on passe Challenger sur ce set. Ok. Oh j'ai Zippy. Là par contre level up Zippy. Genre il y a un vrai débat tu vois. Il a Volibear 2, c'est dur à battre. Et je peux le taguer. Est-ce que j'enlève Qiyana et je rentre Zippy quoi tu vois. Ça c'est un vrai débat. Je pense que je le fais. J'ai encore 20 gold, ce qui est très ok. C'est vraiment pour conserver la victoire quoi. Conserver la win streak. Zippy c'est plus un mec qui porte du stuff tank hein. Moi j'aime bien les mettre du stuff tank à Zippy. Le set d'avant était cringe. Ouais. Là c'est sympa pour le coup. Pour l'instant Après le set d'avant au début pendant un mois j'ai grave accroché tu vois. Le premier mois j'étais trop content. Là je suis content. Et maintenant on se méfie maintenant. Celui d'avant il était pas ouf donc ouais. Mais quand on fait des débuts de partie comme ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a envie de se plaindre quoi, je veux dire. Là, il faut absolument Ginzo comme item. Donc ouais, j'aurais pas l'arc, mais si je peux avoir une baguette, ça peut être intéressant. Même si bon, voilà, c'est pas rédhibitoire de pas avoir de baguette tout de suite. Hein. Alors, pas de baguette d'ailleurs. Bon, on peut prendre une tire en vrai. Tire, ça permet de faire le nouvel item cœur gelé. Cœur gelé a changé. Maintenant, cœur gelé est un item vraiment très tank frontline maintenant. Il donne des bonus d'armure et de résistance magique ainsi que du shield à vos persos. Ok, lui, il reroll les cosmiques. Alors, si vous avez pas vu, j'ai fait un récap du set sur YouTube. Hein. Ok. Alors, lui, il a un full comeback, full win streak hein, depuis qu'il a Volibear 2. J'avoue que ça va pas être une mince affaire, surtout que la Qiyana va désarmer Ezreal. Ouais, mon Jayce c'est pas encore mort, mais. Ouais, il a ni la 2 aussi, what the fuck! Ah, c'est chaud lui, hein. Et c'est la fin du dream contre lui, hein. Non, mais le mec, il a ni la 2, Lee Sin 2, Volibear 2. En fait, il snowball comme un porc avec des Shimmer Scale. Cool. Bon, je suis quand même très bien, même si c'était pas le moment de perdre. C'était clairement pas le moment de perdre dans le sens où, bah voilà, on. Perdre la win streak pour le PVE, mais bon. Alors, des classes, moi j'aime bien la Gouch, je trouve que c'est fort. J'ai fait une vidéo des compos. Hein. Elle sort à 10h du matin aujourd'hui. Pour ceux qui veulent des petits tips pour monter. Vraiment, mon stuff est catastrophique là. Et il commence à y avoir des Nilas qui pop là. Je pense que Nila ça va être fort en vrai. Ah, vas-y, il a fumé Nila, bien ça. Et crève Qiyana. Ah, elle va recast. Ah non, c'est moi la va recast. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Heureusement parce qu'elle tuait mes deux carry. Hein. Après, je gagne quand même avec la fonte. Meilleur ami, c'est vraiment bien avec ce setup. Ah ouais, je pourrais level up. Hein. Ouais, je peux même faire foot pour une Xayah apparemment. Apparemment, je peux même faire foot pour une Xayah. Bon, fuck Zippy. Hein. J'ai le facteur Namsing et soit je joue le Cannoneur. Ah bah ça c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo des compos Zatcher. C'est exactement ce que j'ai dit mec. Premier truc que j'ai checké dans cette game c'était Sénar. C'est exactement ce que j'ai dit. Ok nice. En vrai je suis qu'en 3 guildes. Après les 3 guildes que j'ai je les trouve pas mal. On va dire que Terra c'est Shyvana limite. Trop chiant que j'ai jamais trouvé Xayah. Ah j'ai. Tu virerais complètement guild. Genre pour foutre Shyvana à la place de Jayce et ses Juani. Et genre à la place de Rel je balance Rakan pour être en Sea Rage Wing. Et genre je joue Terra Terra, Shyvana plus Sea Rage Wing. Et genre le stuff de Jayce je le fous sur Shyvana. La guerre carry assez faible, bah ça a été beaucoup nerf quoi. Je vais faire le cœur gelé, enfin le nouveau cœur gelé. Je vais le balancer sur Terra. Après Terra il peut récupérer Sunfire et cœur gelé justement. Ça fait du stuff tank quoi. Bon après voilà j'ai Karim 2, c'est pas mal. Enfin, j'aimerais bien avoir Xayah 2 principalement mais bon. On va voir ce qui est possible de faire. Ouais je pense que les guildes ils vont jarter. À mon avis. Genre je me vois pas spécialement virer Terra.
Ok, nice. Bon, là, je vais garder mes golds pour le dragon. Bon, parce que vous savez que maintenant, il y a trois types de dragons. Et il y en a un qui te donne des objets radiants. À chaque fois que tu rolls, t'as forcément un objet radiant. Là, j'avoue que ce qui me ferait du bien serait la guildo radiante. Attendez, vous venez de voir ce que je viens de voir là, non? Attendez. Est-ce que vous venez de voir la même chose que moi, le chat? Bon, le blue buff ça fait chier, ouais, mais. Je prends, on est d'accord? Oh mon dieu, quoi. Non, mais si je prends parce que, genre, je suis pas sûr d'avoir. Ouais, bon, j'ai JS2, c'est cool. En fait, je suis. Pas con. Ah, sinon, c'est sur Ekarim, limite, que je mets guild en vrai. Hein. Genre, c'est presque Ekarim qui prend guild. Xayah, on l'a tempo pour un autre item. Genre, blue buff, on foutra ça sur Shyvana. Comme ça, je récupère l'omnivamp. Ah, oh, bah celui-là récupère de la tankiness. Voilà. Et voilà. Et dans tous les cas, je peux récupérer l'item quand je veux, quoi. Ok. C'est pas mal, hein. Bon, elle s'est fait défoncer par Nila. Après, il y a Jace 2 en vrai qui peut vraiment être très fort là, je pense. Hein. Du coup, c'est presque dommage de pas avoir Zippy pour le côté tank, quoi. Genre, je me demande si Zippy 2 là. Bon, je perds évidemment. Ah, quoique, Terra. Non mais là il faut juste level up et rentrer Shyvana à la place de Rel, quoi, c'est tout, genre. Y'a la goud en face, j'ai pas de mystique. C'est le défaut là, de ma compo. J'ai pas de Guildo sur Xayah non plus, c'est chiant. Genre pour moi c'est quand même de loin l'item le plus important. Je me fais laver par la goud là. Après ouais, tant que j'ai Xayah 1 on va un peu galérer. Après en vrai j'allais dire que le Vayne se passait pas si mal que ça. Mais j'ai même gagné en fait. Allez, après y'a Soraka 2, mais Soraka elle aura pas de dégâts là, ça va. Un coup de banane, elle fait pas de dégâts. Ah, mais par contre, faut la tuer, faut se lever pour la tuer. Genre, faut attendre le overtime pour la tuer, et encore. Faut se lever de bonne heure, quoi. C'est tombé, je me suis levé à 7h ce matin pour attendre que le set sorte et pour lancer le stream direct, donc. Là, pour moi, c'est cut rail et rentrer Shyvana pour moi. À mon avis. Après le problème c'est que si je cutterai et que je rentre Shyvana, je suis en 5 rage win, quoi. L'intérêt est limité, quoi. Mais oui on peut effectivement cut Terra et faire Rakan Bard en vrai. Vous l'avez vu, hein. Faut pas ébruiter l'information. Ok, j'ai. Est-ce que mon gosse va être en retard à cause de toi? Sûrement. Pourquoi tu vas voir la fin de la game avant de l'emmener? Bah s'il commence à 8h, c'est chaud, Anaïs, hein. Bon, y a quand même pas mal de sommes, hein, quand même, hein, évidemment. Lagoon va être très contest, hein, je pense. Parce que genre c'est très facile à setup, c'est nouveau. Genre c'est une bonne compo à OTP en soi, sans parler de la force de la compo, genre. C'est une compo qui flatte le palais comme on dit en cuisine, quoi. Pas lui la somme 1, moi j'ai Xayah 1 mais bon, Xayah c'est fort. Après bon là j'ai la meilleure augmente pour jouer Xayah, je pense, hein. Genre cette augmente là elle est complètement folle, quoi. Voilà, ça va être compliqué par contre lui la somme 2. Je vois pas le battre. Après Xayah comme elle régène quand elle tape. Le problème c'est qu'elle est 1. Là avec Xayah 2 y'a pas match, hein. Avec Xayah 1 je suis même en train de me dire qu'on va peut-être le battre, hein. Ouais. Xayah a l'air d'être une bonne option quand même, hein. Ça tombe bien, elle est dans la vidéo des compos, hein. Là je suis en 5 furiel. Effectivement c'est pas ultra optique, quoi. Oula, pourquoi j'ai Shroud là moi? Je me suis chié, je pensais que c'était de ce côté là qui allait apparaître. Bon après Shroud là qui est là, c'est vachement ok en vrai. Ouais, je crois que la Nila est en train de me péter la gueule malheureusement. Ah, Nila, attends, Nila c'est fort, hein. Après j'ai Terra, Shyvana. Terra vient de crever, mais il reste ça que j'ai Jace aussi. J'ai un petit Jace étincelle ionique en vrai qui est pas piqué des hannetons, hein, les amis, hein. Is not picked from the end comme on est dans le milieu. Ouais, est-ce qu'il y a un call? Est-ce qu'il y a un call Rakan Bard? Ouais, vas-y, je crois. Ça fait 6 furiel. En fait, c'est surtout pour le 6 furiel, hein, que ça part. Hein. Oh, ça fait mystique et ça fait Bard, mais ça fait surtout 6 furiel. Donc, c'est quand même un gros boost pour Xayah.
Or, Xayah est notre carry principal, c'est elle qui est là pour faire un maximum de dégâts. Donc, CQFD, on fait le swap quoi. Est-ce que c'est pas un rush ladder? Salut Anzo Rao. Est-ce que c'est pas un rush ladder qui commence sous les meilleurs auspices, les amis? Et petite Shyvana 2. Oh là 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 là, le spectacle. Le spectacle, les amis. C'est fort Xayah. En plus, mec, j'ai attaque soutenue en plus, c'est légendaire quoi. Après, ça m'affiche Lagoon. Par contre, j'aurais dû changer Xayah et Twitch de place. Ça n'avait pas d'importance contre lui. Quoique, si il y avait Dylan, ouais, ça aurait pu avoir d'importance. Tant qu'il ne finit pas au meilleur hospice, ça va. Allez!